Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Michel Yehoshua ben Rachel Hasson. La question de Monsieur Zimbrice. Comment pourrait-on faire pour attirer des jeunes vers la Torah ou faire des choix s'ils n'ont pas du tout de connaissances, s'ils n'ont pas baigné du tout dedans ? Ok, votre question est très actuelle. Il faut comprendre qu'actuellement, il y a une chose extraordinaire qui se passe. Vraiment, je crois que c'est la plus belle chose, la plus grande chose qu'il y a eu peut-être depuis la création du monde. Et ça fait que commencer. Il est écrit dans la Torah, c'est écrit dans Parashat Nitzavim, par chapitre 30 de Dvarim, Deutéronome. Il est écrit là-bas que Dieu, alors que nous serons en exil dispersés dans les peuples, aura pitié de nous, nous ramènera en terre d'Israël et circoncira notre cœur afin que nous l'aimions. Et on fera tchouva. Le peuple d'Israël se repentira et reviendra vers Dieu. Maïmonide, sur les bases de ce texte de la Torah, dit que la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, les Israël feront tchouva. Donc c'est parallèle. Dieu nous ramène en terre d'Israël et parallèlement, donc il y a un retour physique à la terre, un retour spirituel à Dieu. Et l'un des dames que nous sommes en train de vivre cela. Un long exil, ça fait 2500 ans que le peuple d'Israël est en exil, si on prend depuis le premier temple. Difficile, terrible. Des millions de juifs ont quitté la Torah, ont disparu, sont assimilés. Et là, nous allons, Bézant Hachem, vivre. Nous sommes en train de vivre la fin. Et là, les Bachouré et Chal que vous voyez ici autour de vous, c'est l'exemple indéniable. Moi-même, d'accord. C'est clair que de façon normale, on n'avait aucune chance de revenir à la Torah. Aucune. Aucune. Et Dieu a pris sa canne à pêche, comme ça, zip, et clac, un petit hameçon, trrr, et nous a sorti de la mouise, comme on peut le dire. Vraiment. Vraiment. Juste déjà, comment on peut dire que ça ne connaît pas beaucoup ? C'est une question que... Mais c'est complètement miraculeux. T'as des gens... T'as des gens qui sont loin de tout, et tout à coup... Une mouche les a piqués, d'accord, en positif, d'accord. Une fée bienfaitrice les a tapés de leur petit. On dit que c'est Léonavi, c'est marqué que Léonavi viendra à la fin des temps. C'est le dernier verset du dernier prophète, Malachi. Veshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Dieu ramènera le corps des enfants à leur père et le corps des pères à leurs enfants. Le corps des enfants à leur père, le père religieux, le gosse, il a tout plaqué. Et vient Léonavi, il lui va faire tchouva. Le fils a fait tchouva, mais le père, il est à perpète les oies. Vient Yohanavi, hop, de sa baguette magique, il touche le papa et il fait tchouva. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Yohanavi pouvait venir un temps en chair, en os et faire pas tchouva. Il semblerait qu'il vienne maintenant en tant qu'ange. Comme à chaque Brit Mila, Yohanavi est présent. On lui donne un siège, d'accord, il vient, il est présent. Donc là aussi, il vient tout à coup le type. Yohanavi, la mouche, Chassé Chalou, la mouche, d'accord, comme une mouche qui a piqué, vient avec sa baguette divine, fait faire tchouva à la personne. Et c'est très soudain, tout à fait inattendu et pas normal. Parce que les gens, quand ils sont enfoncés dans le mal, ben, ils y restent. Il n'y a pas de raison qu'ils en sortent. C'est un mouvement, si c'était un cas par-ci, par-là, ok, alors c'est tout à fait ponctuel. Mais tu vois que c'est un mouvement général. Il y a 3-4 ans ici en Israël, une étude sociologique, les résultats d'une étude sociologique qui a été faite en Israël, commandée par l'État. C'est donc un truc tout à fait officiel et sérieux. Qui ont dit qu'il est indéniable, en 20 ans, il y a un mouvement de tchouva en Israël qui n'est pas le fruit d'une mode, ce n'est pas une mode passagère. C'est un changement radical de la pensée israélienne. Des millions font tchouva. Alors ils ont mis environ 30 points. Pas dans le sens de tchouva que le type il était loin, tout coup il devient orthodoxe et la totale, d'accord? Non. Il y en a qui ne croyaient pas en Dieu, il commence à croire en Dieu. Un autre qui n'ouvrait jamais un Tanakh, une Bible, il ouvre. Un qui croyait qu'il ne faut aucune avis, comme 30 points. Est-ce que vous croyez qu'il y a une incidence entre l'application de Mitzvot et le destin du peuple d'Israël? La majorité des Israéliens ont répondu que oui. C'est énorme la majorité. Des gens non religieux, ils croient que oui. Ma fille, Yann Sgoula, il y a un truc sympa à faire, il y a un grand rabbin, la Chassidoute, qui est décédé il y a quelques dizaines d'années, et la première question, on allait sur sa tombe le lundi, jeudi, lundi, ou jeudi, lundi, jeudi, dire certains textes, il prierait pour qu'on soit sauvé, pour que notre prière soit exaucée.
Alors elle va là-bas pour elle-même ou pour certaines personnes, elle fait un service comme ça. Elle m'a dit, c'est extraordinaire. Tu as des centaines de gens, pas religieux, les boucles d'oreilles, les crânes chauds, le machin, tout ça, des mini-jupes. Et ils sont télim, et ils prient, et ils y croient, d'accord. Alors, ils n'ont pas fait de tchouva, mais tu comprends ce qui se passe. Il y a 20 ans, il y a 40 ans, c'était impossible un truc pareil. Il y a un mouvement de retour qui a lieu, c'est clair. Alors, il y en a qui sont une tchouva complète, et il devient super religieux, la totale, Baruch HaShem. Et d'autres moins, mais il y a un mouvement général, c'est clair. Ça, c'est unique dans l'histoire. Je ne connais pas d'autres cas dans l'histoire d'une chose pareille. Une seule fois, peut-être, avec Eliyahu HaNavi, encore une fois, lorsque c'était à l'époque du roi Achav, le roi Achav qui était la Gestapo anti-religieuse. D'accord ? Un des rois les pires que le peuple d'Israël a eu, qui s'est battu pour qu'il n'y ait pas un souvenir de Torah en Israël. À l'époque, il y avait un converti qui était le seul prophète, ils ont 48 prophètes, le seul qui était un converti. D'accord ? Ovadia qui s'appelait. D'ailleurs, il venait de Édom, d'Occident, et dans sa prophétie, il parle de la France. Il dit que les Cananéens sont allés jusqu'en France. D'accord ? Les Français, ce sont des Cananéens à la base. Alors, Ovadia était un homme qui avait une grande crainte de Dieu. Yare Hashem Me'od. Pour vous avoir ma vie, nous c'est marqué qu'il avait la crainte de Dieu. La seule personne à propos de laquelle c'est marqué dans toute l'histoire qu'il avait une grande crainte de Dieu, c'est Ovadia. Et lui était un des serviteurs du roi Achav. En douce, avec son propre argent, il ne voulait pas prendre de l'argent du roi, pour ne pas faire de vol, il a caché 100 prophètes de Dieu. Il n'y avait que des prophètes du Baal, de Moloch, de toutes sortes de Avodazara, d'idolâtres, d'idoles terribles. Lui, il en a caché dans deux grottes différentes, 50 là, 50 là. Avec son propre argent, il se sentait à leurs besoins, entré en dette terrible. Et quand il est décédé, je vais raconter la suite, c'est aussi une très belle histoire. Alors, quoi qu'il en soit, pour vous dire à quel point, sans Ovadia, il n'y avait plus de Torah dans le peuple d'Israël. Grâce à ces prophètes qui ont continué à étudier la Torah, etc., alors il y a pu avoir un renouveau. Allez, je raconte l'histoire, elle est belle. On est parti, des belles histoires du Tanakh. Le prophète connu de l'époque, le seul, qui était vraiment connu, c'était Eliyahu HaNavi. Les autres, ils se cachaient. Mais Eliyahu HaNavi était connu. Et lui, il n'avait pas froid aux yeux, d'accord ? Yoshua, Josué, qui a pratiqué la conquête de la terre d'Israël, successeur de Moshe Rabbeinu, la première ville qu'il a conquise en rentrant en Israël, c'était quelle ville ? Jéricho. Comment il a conquis ? Dieu lui a dit, tu fais, premier jour, tu prends les Kohanim avec les trompettes, etc. Vous faites tout un tour de la ville en faisant des prières, avec les chauffards, etc., etc., les trompettes. Deuxième jour, encore, septième jour, vous faites sept tours. À la fin du septième tour, la muraille va tomber, et vous rentrez dans la ville et vous la siégez. Vous la conquérissez. Et comme ça, ils ont fait, comme ça, ça a eu lieu. Et Yoshua a maudit celui qui reconstruirait la ville de Jéricho. Il a dit, quand il va faire les fondations de la ville, il perdra son fils aîné. À mesure qu'il continuera, il paiera tous ses enfants, et quand il mettra les portes, il va finir la ville, mais les portes à la muraille, il perdra son dernier fils, son fils cadet. Un des ministres du roi Achav, on est environ 600 ans plus tard, s'appelait Yehiel Beta Eli. Chéri. Chéri, c'est quoi chéri ? Quand on aime bien sa femme, on le dit chéri. Mais en hébreu, quand on écrit chéri, shin resh, deux apostrophes yud, ce sont les initiales de shem reshaim irkav, que le nom des reshaim pourrisse. En vérité, on ne dit pas chéri, on dit chéri. Comme ça, il y a chéri et il y a chéri. D'accord ? Mais parce qu'il ne faut pas confondre. Donc, ce type-là, qui s'appelait Yehiel Beta Eli Chéri, était le ministre de Achav. Et lui a dit, moi, je reconstruis Jéricho. Mais tu sais qu'il y a dans la Torah de Moshe, il y a une. Josué, il a maudit. Il commence à faire les fondations de Jéricho, son fils aîné qui meurt. Il avait 10 enfants.
À mesure qu'il avance ses travaux, il perd le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Il continue. Neuvième, il met les portes, le dixième est mort. Bon, étant donné que c'est un ministre du roi, Eliyahu Hanavi va pour le faire Nihum Avelim, le consoler. Et qui voit là-bas? Le roi. Le roi, c'est venu consoler son ministre. Le roi dit à Eliyahu, il semblerait que l'élève est plus fort que son maître. L'élève, c'est qui? Yeshua Bin Nun. Son maître, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a promis que, on dit ça dans le Shema Israël tous les jours, si on va faire de l'idolâtrie, il n'y aura plus de pluie. Dieu va fermer le ciel, il n'y aura plus de pluie. Et puis on fait de l'idolâtrie, à qui mieux, les Baouch Abba, les Baouch Moloch, il y a de la pluie tant qu'on veut. Donc Moshe, ce qu'il a dit, il s'est planté. Et son élève, Yoshua, ce qu'il a prédit pour Jéricho, ben c'est vrai, il semblerait que c'est vrai. Et où ça a énervé, quand tu parles comme ça sur Moshe Rabbeinu, parce qu'il y a de la pluie, parce que Dieu, il est miséricordieux, il amène la pluie, et toi tu veux, je jure qu'il n'y aura plus de pluie dans ce pays jusqu'à ce que je le dise. Et il part. Et dès ce jour, sécheresse, famine, 3 ans. 3 ans. Plus rien. La famine. Achav par la recherche de Eliyahu. Eliyahu s'enfuit. Il va dans le désert, il y a des corbeaux qui viennent le nourrir, etc. À la fin, Dieu lui dit, rentre. Il va sur la route, et qui voit tout à coup, non, au bout d'un moment, Achav et Ovadia se disent, écoute, viens, on va coûte que coûte, on va trouver Eliyahu. Ils sortent de Jérusalem, ils partent en route, comme ça, puis à un moment, Achav dit, ok, toi tu vas par là, moi je vais par là. Ovadia sur la route, il voit, en face de lui, il va venir Eliyahu Hanavi. Je ne crois pas mes oreilles, je n'en crois pas mes yeux. Eliyahu, c'est toi? Ouais, c'est moi, Eliyahu. Va dire à ton maître que j'arrive. Quoi? Si je lui dis que je t'ai vu et que je t'ai pas amené, il me trucide. Vas-y, dis-lui que j'arrive. Bon. Eliyahu arrive. Achav lui dit, Ocher Israël, t'es un ennemi d'Israël. Moi, je suis ennemi? C'est toi l'ennemi d'Israël. Viens, je te propose maintenant, on va faire un duel. Amène tous les prophètes, tous les prêtres du Baal. 450 ils sont. On va aller au Carmel, au Mont Carmel. On va faire 2 autels. Moi, je vais appeler le Dieu d'Israël, Yudke Vavke, et eux, ils vont appeler le Baal, leur idole. Et celui à qui le feu va tomber du ciel, on saura que c'est le vrai Dieu. Achav accepte. Donc, mobilisation générale de tout un Israël, tout le monde vient au Carmel, on n'a pas le droit de faire des sacrifices hors du temple. Ce qui est ça, c'est un issur karet. Retranché, son âme est retranchée, extrêmement grave. On a le droit, lorsque c'est un prophète d'Israël qui ordonne une chose, il n'a pas le droit de changer la Torah. Si un prophète vient et dit « je change maintenant une chose de la Torah », on le fout dehors, quand on a mis dehors l'autre, là, le crucifié, d'accord? Mais si il vient et il dit « ponctuellement on change », on doit l'écouter. Shlomo HaMelech, lorsqu'il a fait l'inauguration du Temple de Jérusalem, le premier, le grand, la Shrina, l'inauguration est tombée en plein, il y avait 7 jours de festivités, Yom Kippour. Et bien, Yom Kippour, ils ont fait du méchoui, et voilà, pas de jeûne cette année. Ah, manger à Kippour, mais Shlomo, c'était un prophète, il dit comme ça, et on peut. Esther, même chose, il y a une mitzvah de manger la matzah le soir de Pessah. Elle a dit 3 jours de jeûne. Mais ceux qui meurent, on ne peut pas ne pas manger. Écoute, c'est mon cher ami, si tu ne jeûnes pas, il n'y aura plus de peuple d'Israël. Il n'y aura ni Matzah, ni Pessah, ni Israël. Alors, 3 jours de jeûne, elle a annulé pour cette année le soir de Pessah. Elle peut le faire, c'est une prophétesse. Donc là aussi, Eliyahu Hanavi a dit, on va faire le duel au Carmel. Et de façon ponctuelle, on pourra faire un sacrifice hors du temple. Alors, il y a les 2 autels. Écoutez, vous êtes plus. Alors, allez-y en premier. Appelez votre Dieu. Et il commence à crier... Le Baal répond-nous, le Baal répond-nous, le Baal répond-nous, le Baal répond-nous. Rien du tout. Et ils commencent à se lacérer avec leur truc, il y a du sang qui coule, tout ça. Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces ordures? Ils ont fait un petit tunnel qui passait sous leur hôtel, et vient Yehiel Betaeli, qui n'a pas compris après avoir pris ses 10 enfants, il vient avec un briquet là-bas avec du feu, et il va comme ça pour allumer le feu par-dessous. Vient un serpent, une vipère, mort sur le cou. Mahou Hachem. Il voulait allumer
l'autel du Baal par-dessous, dire comme ça, voilà, le feu est tombé du ciel. À l'après-midi arrive, et là, il vient, commence à se moquer d'eux. Alors, écoutez, peut-être il est endormi, il criait plus fort, peut-être il y a un bouchon, peut-être il a crié. Rien du tout. Bon, ok, à moi maintenant. Il crie Hachem. Montre-leur que tu es le Dieu, le vrai Dieu d'Israël. Hachem, aneni, Hachem, aneni. Dieu réponds-moi, Dieu réponds-moi. La Gemara dit pourquoi il a dit deux fois. Un, qui est le feu qui tombe du ciel. Deux, qui dépasse un coup de sorcellerie. Parce que nous, à la base, on ne croit pas au miracle. Quelqu'un qui fait un miracle, vient demain à un rabbin, il dit, voilà, moi je suis Mashiach, il fait abracadabra, mon cher monsieur, c'est pas certain. On a vu des miracles aussi, des grands ont fait des miracles, les sorciers en Égypte ont fait des miracles aussi. Alors le Rambam explique que Moshe Rabbeinu, on n'a pas cru en lui à cause du miracle qu'il a fait. On a cru en lui parce qu'on a vu Dieu lui parler. Ça, c'est une vraie preuve. Le stapler, c'est pas une preuve de vérité. Quoi, c'est pas une preuve? C'est pas une preuve de vérité. Ils l'ont fait devant des gens. Et des gens, il y a des fakirs qui font des trucs, il y a des forces de mal, il y a des forces, des puissances de mal qui font des choses aussi anormales, ça arrive. Alors quoi? Il n'y a pas des gens qui ont des dons, des dons parapsychologiques, qui peuvent faire des trucs, et ouais, tu crois que... Des gdolim, ils ont des dons, et pas des... Il y a des fakirs qui ont des dons, il y a des gdolim qui ont des dons, parce qu'eux sont dans les forces pures et dans les forces impures. Ce n'est pas une preuve. Mais là, Bnei Israël ont reconnu, ils sont tous prosternés, ils ont dit « Hachem wa Elohim, Adonai wa Elohim », comme on dit au Slichot, et comme ça dans les jours de fête, etc. Ça vient de ce verset-là, qui tout ce que je raconte maintenant, c'est marqué dans la Bible, hein, c'est pas texto. Pourquoi je raconte tout ça, hein? Et Yahou, il leur a dit, attrapez les 450 prêtres du Baal, et il les a lui-même. Hein, vous n'avez pas dit que... Hein? Vous avez jeté un petit truc. Le feu est tombé du ciel. Vous avez jeté ça. Alors, plus que ça, il a fait. Il a dit, ça suffit pas, moi maintenant je veux qu'il y ait, je vais montrer le complexe encore plus grand. Il a demandé à son serviteur Elisha. Elisha, qui sera après le prophète qui va succéder à Eliaou, qui sera deux fois plus grand que Eliaou. Elisha, cette histoire, c'est phénoménal. Je vais raconter une histoire là-bas, je voulais quoi, comment je suis arrivé à ça, vous me rappellerez après. Hein. Allez, Ovadia, il y avait la crainte de Dieu, bon, je ne sais pas pourquoi. Comment faire, tu vois on reviendra là, mais je vais finir l'histoire maintenant. Alors il a dit à Elisha, verse de l'eau sur mes doigts, une jarre. Une deuxième fois, une troisième fois. Avec la jarre, il l'a rempli d'eau. Il y avait une sorte de canal comme ça qui entourait entièrement l'autel. Et il a mouillé complètement l'autel. C'est-à-dire que quand c'est tout mouillé et que ça prend feu, c'est encore plus de poids. Et comment trois jarres peuvent mouiller un autel avec un canal? Alors c'est marqué que les doigts de Léonavis sont vus comme des robinets, comme ça. Tout ça. Il y a de l'eau qui est sortie comme ça, il a rempli plein d'eau partout. Bon, il a dit Hachem, Aline, Hachem, Aline, Dieu répond-moi, le feu tombait du ciel, Hachem, Aline, Hachem, Aline, ils ont attrapé tous les prêtres du Baal, ils ont tous égorgé. 450. Pourquoi je racontais tout ça? Par rapport à Achav et tout ça. Achav, Yachel Bet Eli. Après, il y a Yoshua qui... Il y a Yoshua, ouais, la ouais. La sécheresse. Et Eliaou, il a dit... pour montrer qu'il y a Hachem et pas le Baal. Ben, ouais. Ah, vous voulez dire qu'il y avait que jamais de l'histoire, il y a eu aussi une grande chouva comme il y a aujourd'hui en Israël. Une seule fois, le cas de Yohanavi, c'était la fin de l'histoire. Je vais raconter une autre histoire qui est dans l'histoire aussi. On va dire qu'il a caché les 50, deux fois 50 prophètes et qui est rentré très très en dette. Après, il est décédé. Les dettes sont venues voir la madame Ovadia. Madame Ovadia, elle avait deux enfants. Elle dit, ok, bon, on les prend comme esclaves. À la place des dettes. Elle va voir Elisha. Elle avait déjà décédé. Elle va voir Elisha, son successeur. Elle lui raconte l'histoire. Viens maintenant les créanciers, ils veulent prendre nos enfants. Mon mari avait une grande crainte de Dieu. Fais quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? J'ai plus rien. Rien. J'ai un petit flacon d'huile. À l'époque, il mettait un peu d'huile comme ça sur le corps. Très bien. Va prendre de tes voisines le maximum d'ustensiles que tu peux. Altamiti, n'en prends pas peu, prends maximum, tout ce que tu peux. Tu remplis ta maison de jarres, de casseroles, tout ce que tu peux. Et tu prends ton petit flacon d'huile et tu le verses dans la jarre. Et t'arrêtes pas.
Elle rentre à la maison, elle commence, et ça ne s'arrête pas. Elle remplit une jarre d'huile, encore une jarre, une casserole, un bidon, des centaines de litres d'huile d'olive. Et une huile, ah, le goût de la meilleure huile au monde. Elle demande à son fils, passe-moi encore une jarre, il n'y en a plus, maman. À ce moment, tac, le flacon s'est arrêté. Pour qu'elle ait maintenant, elle a maintenant 500 litres d'huile d'olive de très bonne qualité. Elle a vendu, elle a pu rembourser avec ça les créanciers. 500 litres, 5000 litres, je ne sais pas combien elle a eu, énormément. Donc il n'y a jamais eu de l'histoire une chouva aussi grande comme il y a aujourd'hui. Et c'est assurément miraculeux. Maintenant, il est vrai que Hachem ne fait pas des miracles trop sensibles, donc il y a aussi des voies, des canaux matériels, qui sont quoi? D'habitude, les gens rencontrent un copain qui lui envoie un cours, ils étudient un peu ensemble, ou ils le parlent, et ils font tchouva, les gens font tchouva. Pas tous, évidemment, pas chacun au même rythme, mais aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas de famille où il n'y a pas un bal tchouva. C'est un miracle extraordinaire. La vraie raison aussi, car même à part cet éclairage du ciel qui vient extraordinaire, c'est que Am Yisrael a beaucoup souffert, notamment dans la Shoah. Et moi, je suis personnellement convaincu que la souffrance de la Shoah, tous ceux qui sont morts, ils prient dans le ciel. Ils prient que ma chair vienne, parce que ma chair ne peut venir que par la Tchouva. C'est marqué En Israël Nigaldim et la Tchouva. Ça nous donne une page 97b. Le Bal Yisrael ne peut être sauvé que par la Tchouva. Soit fait Tchouva de gré, soit de force. C'est marqué où ils font Tchouva, où Dieu va mettre contre eux un roi dont les décrets seront durs comme ceux de Haman. Haman, c'était le second du roi de Perse. Ça colle bien avec la réalité actuelle, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le grand ennemi numéro un d'Israël, c'est la Perse, l'Iran. Avec Rouhani comme numéro 2, le numéro 1, c'est Khamenei. Et ils ont peut-être bien trouvé la bombe atomique. Et actuellement, ils sont en querelle avec l'Arabie Saoudite, ce qui est très bien. Je vous raconte ce midrash que certains d'entre vous ont déjà entendu. C'est un midrash qui est dans la Yakout Shimoni, c'était écrit il y a 1500 ans. L'année à dire à Bitzrak, l'année où le Machiav se dévoile, tous les peuples de la terre sont en querelle. Il y a des conflits un peu partout. Des tensions, partout il y en a, partout, c'est extraordinaire. Le roi de Perse est en conflit, en querelle, en tension avec le roi d'Arabie. Va le roi d'Arabie prendre conseil chez Edom, l'Occident. Revient le roi de Perse et détruit le monde entier. Et tous les peuples de la terre seront terrorisés et vont faire du bruit. Ils vont tomber sur leur face et seront pris de contractions comme une femme qui accouche. Et Bnei Israël, les Juifs aussi, seront terrorisés et vont faire du bruit. Ils vont dire où aller venir, où aller venir, où aller, où venir, où aller, où venir. Qu'est-ce qu'on fait? On reste en Israël. Ici, tous les jours, tu as des poignards dans la rue, etc. Des armes à feu. Tu as 1 million de Palestiniens qui se révoltent. Et puis tu as Hezbollah au nord, tu as le Hamas au sud. Bon, on va en France, mais tu as le Daesh. Bon, on va en Afrique du Sud, non? Là-bas, tu as le. Comment il s'appelle ça? Le truc à combat, là? Le truc. Hein? Hein? Boko Haram. Bon, on ne sait pas où aller. On va. Il y a le rébaki archéologique, enfin. On ne saura pas quoi aller. Où aller, où aller, où aller venir? Dieu leur dit, mes enfants, n'ayez pas peur. Pourquoi avez-vous peur? Parce que ça fera peur. Il dit, n'ayez pas peur. Le temps de votre moment de votre Géoula, de votre rédemption est arrivé. On espère cette année, Bezrat Hashem. On ne peut être sauvé que par la tchouva. Soit tchouva de gré, soit tchouva de peur, et j'espère que de peur. Mais là, comment on fait pour les ramener? C'est la question qui était posée. Je ne connais pas de moyens sûrs. Il faut qu'ils aient des mérites. Il faut qu'ils aient des ancêtres qui prient pour eux, il faut qu'eux aient des mérites, que ces prières reviennent sur eux et pas sur un autre. Mais nous, on doit tenter de leur parler. Maintenant, le meilleur moyen de leur parler, c'est de leur parler avec amour, parce que c'est marqué que les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Il faut expliquer que nous sommes la seule religion au monde qui peut être prouvée par A plus B. Aujourd'hui, il y a soi-disant les mirages du Coran. Il n'y a même plus de mirage de la chrétienté, ça, plus personne, Baruch HaShem, ils sont en perte de vitesse sidérante.
nous pouvons prouver par A plus B. Ça, c'est un. Secondo, sur le terrain, il n'y a aucune communauté au monde aussi réussie que le monde orthodoxe israélien, avec le million de problèmes qu'il y a. Il y a des problèmes, il y en a. Mais si on fait une comparaison, une étude comparative, avec les chiffres, tu prends le nombre de couples qui ne s'entendent pas, le nombre de divorces, le nombre d'enfants révoltés contre les parents, le nombre de drogués, le nombre de dépressifs, le nombre de débauchés. Et tu fais une étude comparative. C'est à peu près à l'envers. Le nombre de femmes qui trompent leur mari dans le monde non religieux. 90%. Ah, vous n'êtes pas au courant, hein? Même chez les Juifs, vous parlez? Non religieux. Je parle dans le monde non, le monde tout. Ouais. Les Tibétains aussi, là. Non, les Tibétains. Les Tibétains, eux aussi, ils ont les moins de chauvins. Ils ont pas beaucoup de violence, pas beaucoup de drogue. Pas du tout de Torah. Pas du tout, bon, c'est pas de Torah, mais aussi eux. Pas beaucoup de drogue. Tu rêves, mon ami. Toi, complètement, les Tibétains. Les drogués, t'en as dans le monde. Attends, je ne vais pas faire. Donc, dans le monde orthodoxe, avec combien de femmes trompent leur mari? Il y en a 2%. 1% si tu veux. D'accord. Passons à la débauche sexuelle. Dans le monde de Fry, 100%. Qui n'a pas vu un film porno? Il est où celui-là que je trouve? C'est pas religieux. Dans le monde religieux, t'en as aussi. Combien? Allez, 2%, 3% à tout casser. Les drogués. Un type qui vient à la Shiva qui dit qu'il n'a jamais goûté un joint de sa vie, il va voir un psy. Il n'est pas normal, le type. D'où il vient? De quelle planète? Ouais, j'exagère, je suis d'accord avec toi. D'accord? Mais c'est normal. On a au moins goûté une fois. Oui. Ouais, ce que j'ai dit. Que tu me dis non. Non, mais il faut pas croire, il y en a aussi. Il y en a. Bah, au Hachem, moi j'en ai jamais goûté de ma vie et je suis très content comme ça. Et ça manquait pas dans ma classe, ça se passait comme ça, le truc, ça se passait tout autour, d'accord? C'est pas de notre génération. Maintenant, c'est normal. C'est normal. Dans le monde orthodoxe, c'est pas normal. Bah, au Hachem, il y en a. Il y en a par-ci par-là, mais combien? À tout casser 2%. Qu'est-ce qu'on a encore? Shalom Bayit. Il y a des problèmes de Shalom Bayit, bien sûr, mais dans le monde non religieux, où t'as le Shalom Bayit? 1 sur 100. 2 sur 100. Allez, 5, même pas. 2 sur 100 qui s'entendent les couples. Hein? L'homosexualité. Aussi, bien sûr. Ouais, absolument. Des beaux sexuels, d'accord, j'ai dit. Non, donc, il y a tout le monde. Oui, je connais un rabbin tordu, je connais une femme qui trompe son mari. Je suis d'accord. Et des magouilleurs, tout ce que tu veux. Mais au niveau des chiffres, c'est unique au monde. Unique au monde. T'as pas un truc pareil dans le monde entier. J'ai fait un cours, je rappelle ça souvent ici, un cours que j'ai fait longtemps, je vais le refaire. Ça s'appelle l'Empire du Bien. Deux cours d'une demi-heure. Sur le bottin de téléphone. Le bottin de téléphone orthodoxe de Jérusalem, tu as des pages roses. Ça s'appelle le Gmar. C'est quoi le Gmar? C'est un prêt d'objet ou d'argent, quoi que ce soit, gratuit. Mon voisin. C'est monnayable aussi, des fois il y a des Gmar monnayables. Monnayable, c'est pas un Gmar, d'accord? Mais moi je parle des Gmar qui sont gratuits. Moins cher. Il y en a qui font moins cher, il y en a qui font gratuit. Mon voisin de palier, M. Cooperman, il a, je ne sais pas aujourd'hui, facilement 20-30 millions de dollars qu'il prête. 100, t'as besoin de 50 000 dollars, tiens. Ouais, mais il faut deux garants qu'il connaît. Et il est dur. Parce que moi, je suis garant des fois, les gens n'ont pas payé, alors il était... Je suis voisin, il monte dedans, tu payes tout de suite, d'accord? Ah ouais, il est obligé, sinon il perd tout. Les gens ont confiance parce qu'il est solide. Oui, mais deux garants. S'il y a deux garants, c'est pas forcément... Si jamais le type ne paye pas, il va avoir les garants. C'est des garants qu'il connaît, qui sait qu'ils sont solvables et qui vont donner. Alors j'ai fait deux cours, je cite tout ce qu'on peut imaginer que les gens prêtent. Un prêtre, tu as besoin d'un oreiller, de couverture, de sucette pour les enfants, de chal pour Shabbat, de tout ton mariage, quand tu as une valise mariage.
Gratuit, il faut la rendre après. Dedans, tu as des bougies pour faire machin, des confettis, le verre de qui douche, tout ce que tu as besoin pour un mariage. Tu as besoin d'un coussin pour Brit Mila, tu as besoin de vis pour les lunettes, tu as besoin d'une tronçonneuse batteuse, tu as besoin d'un Congo pour faire un trou dans le ciment, tu as besoin d'un conseil d'avocat, tu as besoin de... Dans mon quartier, il y a 3 pharmacies privées à la maison. Shabbat, à 3h du matin, tout à coup, tu as mal au ventre, terrible. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles l'ambulance, tu vas chez eux, toc toc toc, bonjour, mais ils te donnent maintenant un médicament, gratuitement. Tu t'engages dans la semaine à arracher le médicament et le ramener. Fantastique, les pharmacies gratuites, etc. J'ai fait une heure de cours en citant rien que toutes les choses. Un gmar d'enfant, dans mon quartier, un gmar d'enfant. C'est quoi un gmar d'enfant? Quelqu'un a perdu des enfants perdus, d'accord? Quelqu'un trouve un enfant dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On va au gmar d'enfant. Et eux s'occupent de ramener à vos parents. Les parents perdus, ils appellent là-bas l'adresse du gmar d'enfant. Voilà, des choses comme ça, etc. Donc, à tous les points de vue, parce que c'est tout, la raison est très simple, on enseigne à être moral. Donc, quand une société, depuis qu'ils sont petits, ils apprennent à ne pas mentir, à ne pas magouiller, à être droit, à avoir une vie pure, etc., bah alors c'est vrai qu'il y a des ratés. Mais en gros, tu réussis. Dans le monde occidental, on t'éduque exactement le contraire. Exactement le contraire. Plus tu magouilles, plus tu es brutal, plus tu es moi, plus tu es... Plus tu es dans le coup. D'accord? Un type qui reste droit dans le monde occidental, il n'est pas normal. Alors c'est normal que ça donne des résultats. Donc, donne l'image d'être droit, d'être respectueux, de gagner de leur argent et de faire du bien autour d'eux. C'est fini. Quand j'étais au collège, on avait montré un film américain d'après-guerre. Ouais, mais c'est les films, c'est... Attends, je te montre l'exemple. Je te montre, tu vas te comprendre de quoi je... Le film, ça montre la morale du pays. Donc, il y avait un cas, quelqu'un a eu un voleur, quelque chose, et le type, maintenant, il sait pas quoi faire le voleur, tout ça. Pour finir, sa conscience lui dit, il rend ça pour le bien de l'État. Il a pris un truc à l'État, il le rend pour l'État. C'est le héros, d'accord? Le voleur qui fait l'acte moral de rendre l'argent qui appartient à l'État. C'est une blague. Aujourd'hui, ça n'avait un film pareil. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années. C'était quoi? Le meilleur casse du siècle. Et tu t'identifies au voleur. Comment ils vont arriver à piquer le machin, le meilleur casse, le plus malin de l'histoire, de prendre le tableau, je sais pas quoi, du truc, machin, etc. Ça vaut quoi? Ça prouve maintenant. On vante quoi? Il y a 60 ans, on vantait le type honnête. Aujourd'hui, on vante le magouilleur. Donc, on dit qu'on est honnête, mais on n'est pas honnête. Bahou Khadona, il va...